véhicule. Wow. Ah. C'est mieux quand il y a un peu moins de bordel. Mais bon, c'est bizarre quand même. Et salut à tous, c'est JC pour 23, donc nous revoici pour une nouvelle vidéo spéciale Qmod. Je vais essayer de présenter le plus de modes possible, parce qu'il y a beaucoup de modes que j'ai, mais malheureusement c'est un petit peu en bordel, donc il y en a certains que je ne peux pas présenter, parce que c'est du bordel, je sais pas dans quel item va avec quoi, donc je vais essayer de présenter. Bah déjà, je vais commencer par l'oubli. L'oubli de l'ancienne vidéo, je voulais... dans l'ancienne vidéo, pour le mode plus d'aliments, je voulais vous présenter le mode backpack et j'ai oublié, donc finalement, je vais le faire pour cette vidéo. Donc ça sera une vidéo oubli en plus d'un coup mode. Donc on va le montrer où. Je vais me poser sur un arbre. Donc nous allons aussi avoir le mode Monsieur Crayfish Fourniture. Le mode Highlander et le mode Vanilla Plus et le mode Giant Door. Non, pas Giant Door. C'était comment? Huge Door, non, Large Door, je sais plus. Bref, mais de toute façon, ouais, c'est des Giant Door. C'est à peu près ça. Doors. Ouais, c'est à peu près ça de toute façon. Et donc là, on peut déjà un petit peu voir un... Pas vraiment, mais ça y ressemble quand même. C'est un espèce de paysage style Highlander. Highlander, ça rajoute juste des nouveaux arbres et des nouveaux paysages, des nouveaux biomes, des nouveaux sous-biomes. Ça en rajoute, il me semble qu'il y a 11 biomes, si je me trompe pas. Ou sous-biomes. Mais il me semble qu'il y a quand même un peu plus de biomes que ça. Parce qu'il y a les biomes de glaciers, les biomes montagnes enneigées, etc. C'est vraiment, vraiment sympa à jouer. Il n'y a aucun item, donc c'est même pas la peine de montrer. Tout ce que je peux montrer, c'est un petit paysage. Hein. Bon, ça, c'est un paysage classique avec les Applewood du précédent mode. Hein. Et du feu. Bon, il manque... Peut-être que je vais les trouver. Peut-être que je vais trouver un paysage digne de... Highlander et que je vous montrerai. Toutes les voix que vous entendez, c'est le mode Pixelmon. Et oui, je l'ai enfin réinstallé. Puisqu'il n'y a plus, il y a plus de cadre à mettre. Et ça y est, j'arrive enfin à voler. Ça marche mieux. Et bah bizarrement, je crois qu'en fait, les flat maps, ça marche beaucoup moins que les maps normales. Donc, pour ceux qui n'auraient pas vu Pixelmon, un dresseur, ça ressemble à ça. Ce petit truc qui se déplace. Voilà. C'est les bonhommes qui se déplacent. Suffit de lui lancer une Pokéball et hop là, le combat démarre. En général, ils ont 6 Pokémon. Ça arrive, il y en a beaucoup. Mais bref, donc, ce que je tiens là, c'est la Upgrade TNT. Mais ça, c'est la TNT d'un mode spécial bordel. Donc, je montre le bordel. Voilà, donc la seule chose que je sais, c'est que tout ce qui est bois, ça appartient à Highlander. Voilà, à partir du Greywood Slab, on passe à un autre mode, je sais plus, je sais plus. C'est un composé de mort mob. Parce que mort mob, malheureusement, je n'ai pas tous les mobs, donc je peux pas vous le montrer. Il y a pas mal de mobs qui ont disparu. J'en ai gardé 5, je sais pas pourquoi. Peut-être un conflit d'idées, je vais voir. Et... il y a le unique or. Donc ça c'est tout ça c'est peut-être du unique or parce qu'il y a, il y a aussi un autre mode avec, je sais plus lequel. Mais sinon c'est du unique or. Hein. Écoutez, bon, je vais pas faire un coup mode spécial pour ça. Hein. C'est du bordel, c'est du bordel. Écoutez, moi je fais que des coups mods sur ce que j'arrive à comprendre. Donc le mode unique or. Je vous renverrai pour le mode unique or et aussi pour le mode extra D qui est justement avec. Et pour ça, je vous renverrai sur des vidéos d'autres personnes qui font justement ces deux modes. Il y a aussi un autre mode, donc vous l'aurez sûrement remarqué. Il est
Ici, le médaillon Hunger Games. Oui, il y a le mode Hunger Games sur ce Minecraft. Sur ma chaîne, il y aura du Hunger Games en solo, puisque nous avons des intelligences artificielles et je trouve que c'est pas mal. Il y aura une petite série spéciale Hunger Games, donc pas de commode pour ça. Une petite série spéciale Hunger Games en solo. Il y a dans ce mode, je peux juste vous dire qu'il y a des teams du vrai Hunger Games, donc du film. Il y a aussi la team Yogcast, YouTube et Mojang. Je ne vous en dis pas plus. Je vous réserve la surprise. La surprise. Donc, je vais me débarrasser de ça. Tous les outils que vous voyez, ça fait partie du mode. Il me semble que c'est le mode Vanilla Plus. Non, pas celui-là, non. Vanilla Plus a ses propres onglets. Ça peut que être le. Bah, je crois que c'est aussi le. Ah oui, ça fait partie du. Ça fait partie aussi du mode Extra D et du mode Unique Or. Parce que. Bon, il y a aussi du. Le Onyx, il me semble que le Onyx. Attends. Onyx, comment ça se fait? Il y a un petit problème là? Ah non, c'est le Onyx qui fait partie d'un autre mode. Pas celui du Minepix, c'est un autre. Donc vous voyez, hein, j'ai réinstallé Pixelmon. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Un monsieur mime géant. Au centre Pokémon là-bas. Voilà, donc vous pouvez entendre leur cri. Hein. Malheureusement, il n'y a pas le cri de tout le monde, mais c'est pas grave, on s'en fout. Donc aujourd'hui, nous allons voir le mode. On va commencer par le mode Backpack. J'ai décidé de vous montrer les crafts avec. Avec le craft guide. Si je le retrouve, il est normalement tout en bas. Il est là. Donc. Alors, pour le backpack, on va descendre très bas. Attendez, j'ai cru voir quelque chose de bizarre en haut. Ah non, c'était le quartz. Donc là, je sors du Minecraft original. Donc vous voyez, hein, ça se fait avec des barres. Et c'est exactement le même patron que tous les autres. C'est exactement la même chose. Certains se font avec des blocs. Là, c'est le sable de l'Ender. Donc, un bloc pour faire un bloc de. Un bloc de métal. Un bloc de métal de l'Ender. Pour ça, il faut faire une pioche en Ender Sand. C'est bizarre, mais bon. Onyx or avec de l'Ender Sand. Ah ouais, d'accord! On peut aussi faire tous les trucs là. C'est la première fois que je vois ça. Hein, oh oui, d'accord. Mais bon. Spikehead Club. Ah, il me semble aussi que j'ai mis le Balkans Gun. Ah non, non, c'est vrai, je l'ai pas mis, non. Bon, hein, vous voyez, hein, beaucoup d'anciens. Vous voyez, hein, les crafts, c'est exactement les mêmes que tout ce que j'avais fait jusqu'à présent. Donc voilà, je vous ai déjà montré ça. Donc c'est toujours les mêmes choses. Donc voilà, du chainmail. Maintenant on peut fabriquer l'armure de en chainmail. Grâce à du chainmail. J'ai pas encore le reste. Ah oui, voilà, donc nous allons aussi voir le mode Monsieur Crayfish Fourniture, mais ça je vous montre après. Ah voilà, les backpacks. Donc le petit backpack se fait avec 8 cuirs. Et si jamais on met 8 cuirs tannés, donc voici le cuir tanné qu'on obtient en faisant cramer du cuir. Si on met 2 cuirs à chaque extrémité ici et qu'on remplit le reste de fil, on obtient du cuir à tanner. Donc du cuir à faire fondre pour le tanner. Puis après on peut faire un big backpack. Qu'on peut mettre de la couleur qu'on veut. Bien sûr, on peut aussi faire un big backpack. En entourant un backpack de cuir tanné pour avoir un backpack, c'est pour l'upgrade. Donc il y a le grand à gauche et le petit à droite.
Et voici aussi le Workbench Backpack. C'est exactement pareil que les autres backpacks, sauf que c'est sauf que le, il fait aussi crafting table. Et voilà le fameux truc qu'il faut cuire. C'est ça que vous faites. Vous faites le craft pour obtenir ça, le bone leather. Et puis ensuite vous le faites fondre. Vous le faites fondre pour obtenir du tanned leather. En gros, vous le cramez. Donc ça fait encore partie d'un autre mode. Et ça aussi, le soul, ça fait partie d'un autre mode. Donc pour les backpacks, c'est bon. Ensuite, on passe à la suite. Donc voilà, ça c'est Highlander. Donc oui. Pour créer des feuilles spéciales, il faut du fer raffiné avec des feuilles d'un autre arbre. Donc, si vous avez téléchargé le craft guide, ben, il suffit de regarder dans les crafts parce que moi, je peux pas tout détailler parce qu'il y en a trop. Et pour ceux qui, ben, qui l'ont pas téléchargé, je vous conseille vivement de le télécharger. Ça aide beaucoup. Et comme vous le constatez sûrement, le mode Ferulous Gun Mode, donc j'ai caché le panneau d'information, maintenant on peut. Eh ben, il vient d'upgrader en version 1.6 et maintenant il est possible de crafter ses propres armes. Avant c'était impossible, maintenant on peut les crafter. Comme vous pouvez voir, on peut le Red Hot, on peut le crafter comme ceci, avec du fer raffiné. Et justement, le fer raffiné, c'est pour Ferulous Gun Mode, c'est crucial. Voilà, le gilet pare-balles a été rajouté, hein. Donc il y a des nouveaux trucs. Donc voilà, c'est les crafts de tout ce qui servait à rien. Le painkiller et compagnie, tout est là. Mais par contre, la smoke grenade, je sais pas si elle marche toujours autant. Le kit de secours, donc le medpack, les couteaux, tout se craft maintenant. Tout est craftable. Bon, il y a une chose que je ne comprends pas au crafting guide, pourquoi est-ce qu'il nous met un petit machin comme ça alors qu'il pourrait très bien nous montrer ça dans un petit machin, enfin dans un grand machin normal. Voilà donc les armes. 1K47 et compagnie. Avec un viseur pour obtenir un autre, tu vois? Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Nether Metal Ingot avec l'holographic sight. Oui, ça fait un magnétiseur. Donc oui, il y a du métal dans le Nether. Block of Rhenium. Oui, il y a aussi du Rhenium. Quoi? Comment ça se fait que les Red Hot Side sont mis avec les autres? Sont mis avec des escaliers pour former d'autres escaliers? Comment ça se fait? C'est bizarre. Un Applewood Plankster avec un Red Hot Sight, ça donne un Topaz Rockster. C'est bizarre ça. Bon, on a les fameuses tenues. Hein. Donc ça c'est fait avec des feuilles, etc. Voilà le Highland. Avec du bois de chêne et une pousse d'acajou, on peut obtenir un acacia sapling. Ce sont des arbres qui sont bien plus grands que vous ne l'imaginez. Bien plus grands. Le plus grand, c'est l'acacia. Il me semble que c'est le plus grand. Non, c'est pas lui. C'est qui le plus grand déjà? C'est lui. Ironwood Sapling. Comme son nom l'indique, c'est un arbre de fer. Avec un tronc bien spécial. C'est le plus gros tronc, c'est le plus grand. C'est le plus grand. Bien sûr, il y a le Redwood qui lui arrive juste à la cheville, mais bon. Donc vous voyez, hein, on peut faire tout et n'importe quoi avec le bois, c'est comme d'habitude. Donc là, vous voyez, More Storage, Pixelmon et compagnie, tout est là. Oh mais ah oui, c'est vrai, pour Pixelmon, je vous ai pas parlé des New Running Shoes et des Old Running Shoes. J'avais oublié. Ainsi que le Saw Elmer, j'ai oublié de le mentionner. Et le Old Rod. Tout ça, je vous ai oublié de le mentionner, mais tout est là en fait.
Là, vous n'avez qu'à mettre la vidéo sur pause et regarder les crafts. Donc voilà, hein, tout est là, tous les crafts sont là. Hein. Tout est absolument là. Donc voilà, hein, tous les crafts sont là. Et voici Toldor. Toldor, ce sont les grandes portes. Malheureusement, les portes, il y a deux crafts différents pour chaque porte. Parce qu'il y a une porte gauche et une porte droite. Le craft de gauche sera sera le même que le craft de droite, mais en symétrie, tout bêtement. C'est vraiment très simple. Left metal entrance door. Right metal entrance door. Ah non, c'est bizarre. Parce que la porte, elle est placée un peu plus haut. Alors que l'autre, elle est placée un peu plus bas. Ah non, en fait, les crafts sont complètement bizarres. Le drawbridge machine, j'ai pas encore compris comment faire pour l'avoir. Hein. Le pont-levis, je sais pas encore comment le mettre. Donc voilà, c'est des crafts vraiment spéciaux. Là. Donc là, je vous invite à mettre pause si vous voulez voir les crafts. Donc voilà, hein. Il y a même le mode Hunger Games. Le mode Hunger Games, ça se limite à ça. C'est tout. C'est tout. C'est absolument tout. Il n'y a que ça. Mode Hunger Games, c'est le combat knife, le throwing knife, le poison knife, le médaillon et le spear, donc la lance. C'est tout. Le Hunger Games, c'est tout. C'est juste ça. D'abord, tu te fais un combat knife, ensuite tu fais le médaillon du Hunger Games, et ensuite, bah voilà, tu te fais ta propre partie d'Hunger Games. Voilà. Donc le reste, c'est classique, hein, c'est les armures, les armes, les portes, compagnie. Tout ce qui est de bouffe, je vous les ai montrés dans les épisodes précédents, donc n'hésitez pas à aller les voir, hein, c'est la même chose. Hein. C'est juste que les machins se mettent n'importe où, on peut les mettre exactement n'importe où pour certains. Voyez les papillotes. Moi j'avais mis le chocolat au milieu, les feuilles qui l'entouraient et la poudre d'os en bas. Mais en fait, on peut les mettre n'importe où. Hein. Ça, c'est à vous de voir. Hein. Et voilà tout ce qu'on peut cramer. Hein. Il y en a toute une variété. Vous pouvez faire cramer plein de choses. Non, franchement, ce crafting guide est super. Je vous recommande vivement le télécharger. En fait, je ne l'ai pas mis dans l'épisode de Mindpix, mais je compte mettre ici tous les machins spéciaux pour. Je vais mettre tous les mods. Ah, une musique qui s'est lancée. Mais je compte mettre tous les mods en. En lien dans les descriptifs dans le descriptif de l'épisode. Donc il y aura le donc il y aura le backpack. Il y aura aussi le Vanilla, donc le Minecraft Vanilla, donc c'est Vanilla plus. Donc les armures, etc. Les blocs. Je vous invite à utiliser le crafting guide. Très utile. Très utile. Parce que ça m'évite aussi de vous parler trop des crafts parce que ça sert un petit peu à rien. Le crafting guide fait déjà très bien ça à ma place. Tout ça. Vous voyez, hein. Ender Crystal, alors qu'il y avait un Ender Sand, c'était autre chose. Ça fait. Il y a plein de modes différents. Et voici celui que j'aimerais vous montrer. Monsieur Crayfish Fourniture. Avec des fauteuils, des canapés, des stores hein, qu'on peut ouvrir et fermer. Les rideaux, pareil, on peut les ouvrir et les fermer. La lampe qui ne s'allume que si on lui donne un signal de redstone ou si on la pose sur une table de nuit. On peut l'allumer. Il y a des tables, des chaises, il y a quoi encore? Un cabinet, donc ça c'est un placard. Hein. Une table basse. Avec la garden update, on a aussi des haies. Donc des buissons, si vous voulez. Un bassin à oiseaux. Une mailbox. Un levier qui ne marche que si on s'il y a de l'eau en dessous. Un chemin en stone, hein, donc des petites dalles en stone. Une white fence, hein, donc des piquets. Et voici la sonnette qui vient d'une récente qui vient d'une récente update, la mail update. Voyez? Vraiment intéressant.
Non, franchement. Ah, ce mode est vraiment à recommander. Le Monsieur Crayfish Fourniture est un mode à recommencer. Ça dépasse de loin le Jamie Fourniture. Ah oui. Donc vous voyez, hein, l'enveloppe et le package, c'est exactement la même chose. Sauf que le package a deux fois plus d'emplacement que l'enveloppe, c'est tout. Le marteau, j'ai pas compris à quoi il servait. Mais je pense qu'il y en a certains qui vont le comprendre. Si vous tapez quelqu'un avec le marteau, c'est comme si vous le tapiez à la main, hein, c'est la même chose. Il y a aussi un four qui vous permet de cramer tout ce que vous voulez sans charbon. Et au-dessus, il y a la hotte. La hotte qui est là uniquement à titre décoratif. Elle ne sert à rien, même si vous faites clic droit dessus. Elle est juste là. Voilà. Donc j'ai fait clic droit, hein, donc ça en a mis. Donc c'est uniquement là comme décoration. Donc c'est inutile. Et vous voyez la Rotten Flesh, on peut la congeler grâce au cooling pack. Et on peut la cuire. Donc je vais d'abord chercher une chair pourrie et vous montrer ça. Alors. Vous voyez hein, donc tout ce qu'on peut obtenir avec comme bouffe avec plein de choses. Hein, lava cookie. Ouais, bref. Donc je cherche la chair putréfiée, elle est là. Hop, Monsieur Crayfish Fourniture. Un petit frigo. Donc ce frigo fait aussi office de réfrigérateur. Le frigo se trouve en haut et le réfrigérateur se trouve en bas. Voilà, le fuel, c'est ça. Le fuel, c'est le cooling pack. Si je fais ça, regardez bien. Voilà, ça fait de la. Au lieu de la chair pourrie, ça fait de la chair bonne et mangeable. Elle est prête à être dégustée. Et vous pouvez bien sûr le conserver. C'est un frigo, hein, donc c'est pas pour conserver les objets inutiles. Hein. C'est pour conserver la nourriture. Ah mince, le four, je l'ai pas. Mais en gros, le four, je vais vous montrer l'interface du four. Hein. Toutes les interfaces sont complètement différentes. Hein. Donc, voilà le four. Vous voyez, hein, c'est toujours allumé. Je mets le flash dedans. Donc, vous voyez, hein, c'est l'ordre dans lequel les machins sont cuits. Hein. C'est l'ordre dans lequel tout est cuit. Et vous voyez, cooked flesh. Et regardez bien, rien n'a baissé, rien n'a baissé. Les flammes sont toujours hautes. Par contre, les plaques de cuisson, on les voit, ça a un petit peu une texture d'obsidienne. Ça veut dire que forcément dans le craft, il y aura de l'obsidienne. Mais maintenant, je vais vous montrer les crafts. Alors, ils sont où les crafts? Je suis passé devant le. Je suis pas. Ah, je suis là. C'est là. Donc, bon, on va commencer par en bas alors. Hein. La mail update, donc package, enveloppe. Le doorbell, hein, donc la sonnette. Par contre, je n'ai pas encore testé si elle produit du signal de redstone. Mais si elle produit du signal redstone, on pourrait entendre ne serait-ce que le bruit, mais aussi. Grâce à une lampe de redstone, savoir, grâce à la lumière, si quelqu'un sonne vraiment. Ou au pire, on peut mettre une plaque de pression au sol pour voir si quelqu'un est vraiment là. Devant la porte, une plaque de pression pour voir si quelqu'un est vraiment là. Donc voilà, hein, la mailbox. Le tap. Donc. Les stone pads. Donc voilà, je vous montre un petit peu. Mettez sur pause si vous en avez besoin. Donc la hotte, elle est censée peut-être éclairer vu qu'elle a l'uminite. L'uminite, c'est la glowstone. Le bedside cabinet, donc c'est là-dessus qu'on pose la lampe pour qu'elle s'allume. Sinon, elle ne s'allumera pas. Il n'y a que avec un levier de la redstone. Ou alors un bedside cabinet que la lampe s'allume. Mais je préfère sur le bedside cabinet. Ah, ça marche pas avec le clic droit. Bon. Stone coffee table. Le cooling pack, voilà comment on le fait. Un seau d'eau avec du verre. En gros, le cooling pack, c'est pour rafraîchir certains aliments. Donc vous voyez la rotten flesh.
Le frigidaire, on le fait avec un four, un coffre et des blocs de fer. C'est quand même assez cher. Donc il faut bien miner. Les fauteuils, c'est quand même cher, hein. Enfin, cher, ça dépend. Mais ça dépend si en quel colorant vous le voulez. Malheureusement, il n'y a pas de couleur bleue ou d'autres couleurs. Mais je pense que dans le futur, il devrait y en avoir. Donc, chaise, table, etc. Tels sont les éléments principaux du Monsieur Crayfish Fourniture. Bon, que reste-t-il encore à vous montrer? Que j'aurais oublié parmi tous les modes. Le Vanilla Plus, hein, je vous ai montré, c'est ça. Avec des portes de chaque bois. Donc voilà ça. C'est dans le mode plus aliment. Le mode. Non, le mode plus aliment, voyons voir. Alors, ben, y a rien de nouveau, hein, c'est toujours la même chose. Le Ferulous Gun Mode, hein, comme vous pouvez le voir, il a changé avec une Crafting Table Special Gun, un Medic Crate et un Ammo Crate. Je sais pas ce que c'est, mais il me semble que ça stocke les ammos. Enfin, je sais pas. Ça les recharge peut-être. Medic Crate, c'est pareil, mais avec les soins. Les armes n'ont pas vraiment changé. Le Game HUD n'a pas changé non plus. Ah, j'ai l'impression qu'il y a une arme qui a disparu. Ouais. Le P90 a disparu. Oh, ça doit encore être une confusion de numéro ID. Oh, va encore falloir que je le change. Ça arrive souvent ces temps-ci, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Mais bon. Donc voilà, hein, les armes. Est-ce qu'ils ont le même bruit? On va voir. Mais je pense que oui. Mince. Ah non, c'est pas possible. Quand je zoome, ça envoie mon Pokémon au combat parce que c'est la même touche. Ah non. Eh, il faut que je change les touches. Vous voyez un toggle HUD. Si je fais on, vous voyez là, tout s'est arrivé. Il n'y a plus les dégâts. Il n'y a plus les dégâts. Ah, j'ai tué mon Pokémon. Oh mais c'est cool ça! Oh c'est génial! Regardez! Oh yes! On peut dégommer les Pokémon avec ça! Oh yes! Et maintenant c'est GTA version Pokémon! Trop bien! Toi petit connard! Oh putain lui il a invincible lui, c'est pas possible! Oh! Et je peux même... Oh yes! C'est bien! Oh! Oh! Ça j'avais pas vu! En détruisant de l'herbe! Avec un gun, on peut obtenir une graine. Oh, mais c'est bizarre comme truc. Les feuilles, on peut toujours les enlever. Le gazon, on peut l'enlever, c'est nouveau. Ces fleurs-là, est-ce que je peux les enlever? Non, ça. Ah, ça marche pas, merde. Oui, yes. C'est trop bien, je peux buter les Pokémon maintenant. Ah, c'est bien, je vais pouvoir me venger de tous ces Pokémon qui m'ont fait perdre mon temps à se battre contre moi alors qu'en fait j'étais 1000 fois plus fort qu'eux ou même que j'avais pas envie de me battre contre eux. Je vais enfin pouvoir leur exploser la tronche avec mon arme favorite, le barrette. Oh là là. C'est quand même bizarre qu'il n'y ait plus les dégâts. Ah, mon arme favorite. Est-ce que je peux dégommer l'arbre? Donc voyez, hein, je peux aussi niquer mon arbre. What? Pourquoi quand je mets la vision nocturne, j'ai des... J'ai... Mais c'est pas possible. Quand je mets la vision nocturne, j'ai des bulles qui viennent. Ça c'est pas normal. Puisque j'ai pas bu de potion. Non, tu restes là, toi. Ah! Je t'aurai, toi. Je t'ai eu. Ah, il est pas mort. Je t'ai eu. Je l'ai... Ça y est, je l'ai tué. Je l'ai tué. Et voilà, je suis le killer de Pokémon. Ça y est. Et en tout cas, les munitions ont été révisées à ce que je vois, puisque il y a beaucoup moins de munitions que dans la précédente version du jeu. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Un canard artichaut. Je suis là pour régler la situation. Voilà. C'est moi qui tue les Pokémon, ok? Ah ouais, d'accord. Il perd juste des PV. Voilà. Méthode classique pour passer. Ah, ça ferait un très bon Hunger Games ici. Mais bon, je vous montrerai le mode dans une spéciale. Hein, donc, je vous ai montré Hunger Games, comment ça se craft et machin. Mais normalement, si on commence en survival, au début, on a le médaillon. Directement.
Ça sert à créer une partie, hein. C'est quand même, voilà. C'est quand même crucial pour créer une partie, hein. On peut créer une partie allant jusqu'à 48, 48 tributes, donc 48 combattants. Voilà. Eh, les gangs sont interdits. Vous avez vu le frigo en arrière, hein? Attendez. Je me mets loin. Merde, je suis pas assez loin. Ah, ça marche pas. Bon, c'est pas grave, hein, j'ai toujours un Roku ou un Rukups à buter. Ah, oh, tu te fous de ma gueule? Je peux pas le buter? Oh, celui-là il est buggé, ça veut dire que Sidebox, voilà, Sidebox est souvent, quand un Pokémon vole ou quelque chose comme ça, Sidebox elle est souvent en bas. Donc pour le toucher, il faut tirer en dessous de lui. Ça arrive souvent. Yes! J'adore cette arme. D'ailleurs, j'ai aussi des maps de Call of à vous montrer, hein, faites par un certain Nick. Nick, N11CK. Nick avec un 11, les I sont remplacés par des 11. Par un 11. Donc vous voyez, hein, c'est plutôt classe. Bah, je vous montrerai les maps, hein, dans mon prochain coup à chaud, hein, donc cette série que j'ai presque arrêtée, mais en fait non, finalement j'ai retrouvé le goût à faire des maps. Il y aura aussi des maps aventure. J'ai trouvé trois belles maps aventure. Area 52, le trésor des Crofts, Diversity, et encore une quatrième même. The Dropper de Newton West Darwich. Darwin, pardon. Et ben je compte peut-être commencer par Diversity. Parce que cette map est vraiment classe. Il y a du labyrinthe, du jump, du dropper, il y a quoi encore? Il y a vraiment plein de choses. Je crois pas que. Non, je vais laisser tomber The Dropper 2 et je vais faire Diversity à la place. Parce que The Dropper 2, il me semble qu'il y a, y a, y a, y a, y a une petite, y a une, y a une petite partie implémentée dans la map Diversity. Donc je ne crois pas que je vais faire le The Dropper 2, mais je vais faire Diversity à la place. Et je ne vais pas le faire avec, mais à la place. Bon, est-ce que j'ai encore quelque chose à vous montrer ou est-ce qu'on va se quitter? Alors, je vais voir. Il me semble que c'est la fin. Mais je vais quand même regarder. Non, ici je vous ai déjà montré. Ici aussi. Donc, petit truc bizarre. Vraiment très bizarre. Ah non, ça marche que sur de la terre. Voilà, c'est censé être un buisson. Et en fait, il y a une grosse erreur de numéro ID. Donc voilà, hein, voilà ce qui se passe si vous installez beaucoup de mods. Il y a des numéros ID qui se croisent et du coup il faut tous les changer. Déjà c'est la galère pour les trouver dans les fichiers de configuration. Alors si en plus il faut les changer. Parce que vous voyez là, le Nightlock Bush il est là. Alors que si je vais dans la nourriture, le Nightlock Bush il doit être là. Et les Nightlock Berry doivent être là. Alors qu'il y a marqué Welmer Pie. Du coup, les Nightlock Berry, je sais pas à quel mode ça appartient. Je sais que ce n'est à aucun mode d'ici. Mais ça doit sûrement appartenir à Extrade ou alors truc mob. D'ailleurs, en parlant des mobs, il n'y en a que 5. Donc même pas, il y en a 6. Il y en a 6, l'Ender Slime, le Reaper. En gros, le Reaper, c'est la faucheuse. Hein. L'Ender Pig, donc c'est un cochon en noir. Le Soul Cow, hein, donc c'est. Ce sont des animaux pacifiques. Hein. Sauf qu'ils sont dans l'Ender. L'Ender Smoke, hein, c'est de la fumée, c'est juste de la fumée. L'Ender Slime, bah, c'est un slime en noir. L'Ender Pig, je vous ai dit qu'il est. Il est noir. En gros, ils ont des couleurs sombres. Tous. Surtout l'Ender Chicken, parce que. Non, l'Ender Chicken a une petite particularité, c'est qu'il a les yeux fluo. Les yeux bleus fluo. Bon, je vais peut-être vous montrer un. Peut-être que je vais arriver à le faire. Crafting guide. Je vais juste me préparer une petite épée. Pour travailler. Enfin, pour travailler. Oui, c'est pour travailler. Malheureusement, ce médaillon-là fait souvent cracher. Donc, pour éviter le plus possible de cracher, je vous conseille de vous mettre en.
Déjà sur une surface plane où il n'y a quasiment rien, parce que sinon le gars il peut se cacher n'importe où et vous le cherchez pour rien. Mais je vais quand même prendre un flingue avec. Un flingue que je vais économiser. Toujours le barrette, il est où? Night vision. Voilà, au cas où. Une arme de poing et une arme de portée. Voilà, donc je peux vous montrer les interfaces du mode. Hein. Donc voilà, cooldown, c'est combien de temps avant que la partie ne commence. Ça peut aller jusqu'à 1 minute. Tribute, maximum 48. Minimum 6. Et ben moi je vais mettre en 6. Voilà, juste pour vous montrer. Overhead name true. Ben, je vous conseille de le laisser true, sinon vos ennemis, vous risquerez pas de les trouver. Spawn radius 1. 1, ça veut dire que ça spawn à ça, les uns à côté des autres. Zombification, c'est dès que vous tuez un. Dès que vous tuez par exemple The Phantasy 974, imaginez que vous êtes en face de lui et que vous vous battez contre lui. Et The Phantasy 974, je sais pas, je dis une connerie. Mais bon, si vous le tuez, bah, il y aura le zombie de The Phantasy 974 qui viendra vous tuer. Et il faudra aussi le tuer. Voilà, c'est un exemple, hein. Oui, je prends un youtubeur célèbre, mais bon, on s'en fout. On s'en fout. Donc ça, c'est pour remettre les machins par défaut, hein. Donc les machins par défaut ne vont pas revenir ici, il faudra juste cliquer sur Start. Donc voilà, un name, hein, The Hunger Games, c'est ceux du film, donc ils sont 27. Yogcast, ils sont 12, je les connais pas, moi. YouTube, j'ai pas encore essayé, on va sûrement essayer. Et Mojang, bah tenez, on va prendre Mojang. Tribute Strength, donc là j'ai mis Very Weak, hein. On peut aussi mettre Weak. Donc faible, très faible, normal, fort, très fort et extrêmement fort. Bon, là on va mettre en verruique parce que sinon la partie va durer trop longtemps. Tribu speech, start with items, c'est commencer avec vos items. Hein. Donc là j'ai mes items, hein. Si je mets false, tout va disparaître. Donc speech, tribute speech, ça j'ai pas compris à quoi ça servait puisque l'option ne se débloque pas. Et pilar, classique, c'est des piliers en fer. Et biome, c'est des piliers, c'est des piliers en forme de tout ce que vous voyez là dans le biome. Bon, moi je préfère classique pour mieux les trouver. Allez, start. Merde, je suis en mode. Ouh, ça marche. Et ça y est, je suis en mode game mode 0. C'est rare que ça fonctionne quand voilà. Ouais, je vois Jeb. Salut. Eh oh. Oh. Bon bah voilà, il n'y aura plus de Minecraft, c'est fini, je viens de tuer Jeb. Ah, oh, on me tue là. Ah, mais qui c'est qui me tire dessus? Ah, mais... Oh non! Bon. J'ai été tué à l'aide d'un sortilège. Ah bon? Moi, je vois que j'ai été tué à la main, c'est tout. Oh, j'ai perdu. J'ai perdu la partie d'Hunger Games. Et le médaillon, du coup, bah, on peut recommencer une partie d'Hunger Games. Hein, donc vous voyez, c'est à ça que ça ressemble. Et c'est à ça que se ressemblera aussi ma prochaine série. Parce que ça m'intéresse fort. J'aurais dû rester. J'aurais dû rester. Bon, juste une chose, je vais me débarrasser de ça. Donc vous voyez, hein, je peux aussi choisir un dog tag. YOLO. Venom Star. Il y en a vraiment plein. Voilà, moi je vais prendre celui-là. Challenge accepted. Voilà. Donc désolé du petit blanc, mais j'ai cru entendre mon téléphone. Et non, c'était pas mon téléphone. J'ai rien entendu du tout en fait. J'ai bien cru, mais je crois qu'il a dû arrêter de sonner, donc c'est pas grave. Yes, un dresseur. Qu'est-ce que je vais en faire? Toujours enable. C'est parce que je l'ai tué. Et ça c'est con parce que il faudrait juste que j'arrive à changer les boutons. J'ai une bonne idée. Alors option, contrôle. Donc pour sortir mon Pokémon, il faut que je change de Open Craft Guide. Ah ouais, d'accord. G pour ouvrir le Craft Guide. B pour ouvrir le backpack. Ah, ça je savais pas. R, on va changer, hein, on va mettre Y. Voilà.
Parce que en visée, ça fait. Visée, c'est aussi R et j'ai pas envie que. J'ai pas envie de lancer mon Pokémon en visant. Et après, je le tue sans faire exprès. Non. Donc, mon Pokémon pour le lancer, ça sera Y. Vous voyez, j'ai appuyé sur R juste avant et ça n'a pas fonctionné. Donc, ça prouve bien que ça fonctionnait. Bon, qu'est-ce que je peux encore vous montrer? Ah oui! Je me souviens de ce que je vous ai dit au début de la vidéo, que j'allais vous montrer un paysage de Highlander. Et ben maintenant, on va le chercher parce que ce mode, il y a pas mal de biomes. Et mais comme qui dit beaucoup de biomes, dit aussi apparition rare. Donc, on peut voir mon début, ma début de vidéo ici, hein, donc spécial ici. Bon, écoutez, je crois qu'on va y aller à pied parce que oh, regardez bien. C'est ici que j'ai spawné. Et comme vous pouvez le voir, les piliers sont soit en fer, mais il y a aussi de l'or. Hein. Or, fer, diamant, c'est à peu près ce qu'il y a. Mais je ne sais pas s'il y en a d'autres. Oui, il y a or, fer, diamant. Et il y a aussi un petit spawn comme ça au centre. En fait, qui est composé de coffres. Où tout simplement, ben, on vient chercher des. Voilà, des armes. Les coffres ne sont pas disséminés à travers tout le champ. Il faut les rechercher dans ce bâtiment. C'est vite fait. C'est vite fait parce qu'une fois que vous avez tout pris dedans. Et eh ben, il n'y a plus rien. Et vous avez de la chance d'avoir des adversaires cons parce que eux, ils cherchent pas. Bon, avec un peu de chance, on peut tomber sur un paysage du Highlander, du mode, avec un peu de chance. Mais je ne sais pas si on va trouver, hein. Je ne sais pas. Là, vous voyez, j'ai l'impression de voir de voir un petit bonhomme jaune. Je ne sais pas ce que c'est, on va aller voir. Ah, c'est un Pokémon du nom de Hypnomade. Bref, pour ceux qui aiment pas Pokémon, ignorez ce que je viens de dire. Pour ceux qui aiment, bah c'est bien. Non, je crois que je vais me poser dans un coin parce que là, ça charge de. Ça charge. Voilà. Putain, faut vraiment que que je me fasse mon ordi là. Voilà, je crois que je vais y aller à pied parce que c'est le meilleur moyen pour que ça ne frise pas. Enfin, ça frise pas, mais ça lag. Bah oui, mais si ça lag, c'est parce que l'ordi. En fait, c'est parce que l'ordi n'est pas assez puissant. C'est pour ça que ça lag. Alors que mon ordi à moi que j'avais en haut avant qu'il soit flingué, il était super puissant. C'était très. Pour faire des vidéos Minecraft, c'était fluide. C'était vraiment fluide. Ça marchait super bien. Alors que là, c'est vraiment de la merde. La merde à chier. Mais bon, on peut pas tout obtenir. Bref. Je vais quand même essayer de vous trouver un biome spécial Highlander et après on se quittera dessus. Donc, je vais essayer de chercher un biome. Ah, je crois que c'est un biome Highlander, ça. Pas ça, ça c'est une grotte, mais ça on s'en fiche complètement. Les grottes, c'est pas du tout signé Highlander. Par contre, Highlander, c'est des montagnes, des grandes forêts, des nouveaux arbres super bizarres, etc. Mais on peut les trouver. On peut les trouver dans la nature. On peut. Ouais, je vais prendre un petit peu de hauteur pour voir un peu où est-ce que j'en suis. Parce que là où je suis, c'est vrai que je vois pas grand-chose. Bon, j'espère que l'auteur de Pixelmon pourra bientôt mettre tous les Pokémon dedans. Parce que là, il y en a certains qui sont peut-être marqués, mais ils sont pas dedans. Bon, c'est pas vraiment du Highlander, ça c'est un biome Extreme Hills. Waouh, c'est un biome Extreme Hills. En fait, je sais même pas si les biomes sont présents. Ça charge. Voilà, un biome jungle. La forêt, par contre, elle est un petit peu plus dense que d'habitude vers là-bas. Donc j'ai l'impression que c'est un biome du Highlander. Mais j'ai pas l'impression que les biomes du Highlander sont venus. J'ai pas l'impression. Non. Mais en tout cas, par contre, j'ai les arbres. Et je vais quand même essayer de vous montrer l'arbre le plus grand. Ça va probablement crasher. Mais si jamais ça crache, ben on se quittera sur ce crash. Donc, je vais chercher l'arbre. Et une poudre d'os. L'arbre le plus grand, il est là. L'Ironwood est tellement grand qu'on pourrait très bien abriter dedans. Ah, une nouvelle musique. Voilà, c'est la musique qui va sûrement clore cet épisode de Kumode, hein, ça tombe bien. Je crois que je vais arrêter un épisode de Kumode
dès que j'entends de la musique. Enfin, pas dès que j'entends de la musique si elle vient toutes les 5 minutes, mais je sais pas. Bref. Je vais mettre un arbre. L'arbre dans un coin, nulle part. De toute façon, où que je le mette, tous les blocs qu'il y a autour, ils vont être détruits. Par contre, une chose, il faut que je m'éloigne bien. Parce que l'arbre est immense. Donc du coup, je peux m'enfoncer dedans. Et là, ça... Ah, ça y est. Ça y est, l'arbre vient de réussir. Attendez, je vais aussi vous montrer le Redwood. Si je le trouve. Mais ah bah non, c'est vrai. C'est facile à trouver, il est là. Non, pas ça. C'est celui-là. Redwood. Donc là, vous voyez bien comment il est grand, hein. On voit l'ombre, mais je vais vous montrer le Redwood avant. Donc vous allez voir l'arbre après, mais d'abord je vais vous montrer le Redwood. Parce que le Redwood est grand aussi, il fait partie des plus grands. Mais c'est pas le plus gros. Hop! Vous voyez, hein, ça a moins chargé que l'autre. Vous voyez comment le Redwood est grand. Hein. Je vais pas le faire cramer parce que si je le fais cramer, ça va surcharger tout le Minecraft, ça va craquer, cracher. Et maintenant, voilà, encore plus grand. Vous voyez, hein, ça c'est l'arbre le plus grand. Donc ça c'était le Redwood et l'autre c'était quoi? J'ai pas vu son nom. Ironwood. Donc, vous voyez, hein, l'arbre de fer. Mais bon. Ça donne pas de fer, hein, évidemment. C'est fait avec du fer, mais il n'y a pas de fer à récolter dedans. C'est juste un arbre. Et le tronc est tellement grand, vous voyez, on peut habiter dedans. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, j'ai cru que c'était un golem de fer. Ah, c'était un mal-chopper. Bref. Voilà. Hein. Donc, ces deux arbres-là, ce sont les plus grands. Vous voyez, hein, c'est un le Redwood atteint presque le sommet du Ironwood alors qu'il est placé bien plus haut. Vous voyez, hein? Si je me mets à la hauteur du point culminant du Redwood, ça fait quand même la moitié du Ironwood. Ça veut dire que l'Ironwood c'est le plus gros arbre, mais le plus grand ça reste le Redwood. Ah. On voit un petit combat de Ridon. Rhinophéros, voilà. J'ai trouvé. Donc vous voyez, les arbres de la jungle, c'est ridicule comparé à ça. Franchement, si vous voulez une maison, habitez là-dedans. C'est le mieux que je puis vous dire. Que je peux vous conseiller. Parce que franchement, moi je vous dis, si vous voulez miner cet arbre, bah putain, vous en avez pour 3 ans. Le Redwood, c'est pas mieux, hein, parce que vous en avez aussi pour 3 ans avec les branches et compagnie. Mais franchement, moi je vous dis, habitez dans un de ces arbres. Moi je vous dis, ça le fait. Vous pouvez très bien habiter là-dedans. Hein. Par contre, pour garder les feuilles, il faut garder les bûches. Si vous ne gardez pas les bûches, les feuilles disparaîtront. Et ça, c'est pas bon. Voilà. Et je vais pas vous laisser avant. Je vais encore vous garder quelques instants, histoire que la musique, elle passe. Mais de toute façon, j'ai encore des trucs à vous montrer, je pense. Des trucs que vous n'avez pas vus. Bah. De toute façon, il y a plein d'arbres que vous n'avez pas encore vus. Je peux très bien vous en montrer encore quelques-uns. Si jamais. Bah tiens, l'acacia par exemple. Donc vous voyez, hein, un acacia qu'on fait à partir de bois de chêne et de sapling de chêne, je crois. Donc G pour le crafting guide, c'est ça? Mon cul, ça fait rien du tout. Et B pour le backpack, ça fait rien du tout non plus. Ah bah c'est normal, je les ai pas sur moi. Ah ouais. J'ai compris. Non, j'ai rien dit, excusez-moi. Voilà. Ils sont quand même grands les arbres, t'as vu? Enfin, vous avez vu? Même le plus petit des arbres est souvent grand. Bien sûr, c'est pas toujours les mêmes arbres, hein. Ça a plusieurs configurations comme les chênes, etc. Parce que ça, c'est pas le seul Ironwood, hein. Il y en a qui peuvent être plus grands, ça arrive. Ce ne sont pas toujours les mêmes configurations. Bah non. L'arbre là par exemple il est gros mais bien sûr il peut être plus petit. Il peut être plus petit, ça arrive. Mais pas tout petit non plus parce que ça n'existe pas. Oh regardez, la maison du sucre. Je vais pas y aller. Si j'y vais, c'est pour la péter. Et bah j'y vais alors. On va pas se quitter avant la fin de cette musique. Parce que cette musique, c'est bien la première fois que je l'entends.
Et en plus, pour finir une de mes vidéos, j'ai rarement été accueilli par ce genre de musique. Pour finir ce niveau, pour finir la vidéo, j'ai jamais vraiment eu ça. Ah, en plus à côté d'une châle, comment on dit, chasse, faille, une faille. Bon, TNT upgrade x2. En fait, la TNT upgrade et la TNT upgrade V2, c'est les mêmes. C'est les mêmes explosions en fait. Ces deux TNT, c'est les mêmes. J'ai déjà testé. Donc voilà. Malheureusement, la musique est partie. Ah mince, c'est pas de la poudre d'os qu'il faut utiliser. Bah, je crois qu'on va se quitter. On va se quitter sur de la musique que je vais mettre. On va mettre un petit jukebox d'abord, avant de filmer la petite explosion. On va mettre un jukebox. Et pour certains qui ont envie d'explosion, le mode mort explosion existe. Mais je ne sais pas s'il existe en 1.6, donc je ne mettrai pas le lien pour la... Je ne mettrai pas de lien, parce que si vous cherchez sur internet et... Ben, si vous avez envie, dites-le moi, hein, si c'est bon pour la 1.6. Parce que moi, je cherche d'autres modes. Ah oui, je cherche des modes, des maps, des trucs à faire. Hein. Je cherche même des jeux flash que je pourrais aimer, que je pourrais vous montrer aussi, justement. J'en ai déjà pas mal à vous montrer. Voilà, on va se quitter. Attendez, je vais aussi prendre un petit briquet. Voilà. Ah mince, j'ai déjà fait spawner un jukebox dehors. Là, je pense que ça doit faire une demi-heure. Hein. J'ai pas utilisé mon téléphone parce que je sais très bien que cette vidéo, elle a pas de limite de temps puisque je peux la finir quand je veux. Je vais mettre le jukebox assez loin quand même parce que sinon il va être pété à cause de l'explosion. Et on va mettre un CD. Voilà. Je vais me débarrasser de tout ça. Et c'est parti! Je crois que pendant cette musique, je vais faire des choses. Et voilà. Je me casse. Voilà. Ça vous détend un peu. N'hésitez pas à la chercher sur internet la musique. Hein. Vous mettez la vidéo en pause au moment où j'ai mis le disque et puis voilà. Vous voyez, hein, cette bombe est très spéciale parce qu'elle dessine des traits dans le sol. L'autre c'est pareil. Hein. Elle dessine des traits dans le sol. Bon, ça bug un petit peu. Mais c'est pas grave, on est en fin de vidéo là. Alors on peut très bien se permettre de bugger un petit peu en fin de vidéo. Je vais me débarrasser de tout ça, hein, j'en ai plus besoin, c'est fini. Mais je pense que si j'ai pas beaucoup de vues, c'est peut-être parce que vous pensez que voilà, c'est des vidéos de mauvaise qualité, donc c'est forcément nul. Non, 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 non. C'est juste que des fois, moi, je fais du blanc parce que voilà, j'entends soit des trucs suspects, des bruits suspects dans la maison que je voilà. Parce que voilà, j'ai pas trop envie que ma famille sache que je fasse des vidéos parce que sinon, ça risquerait de freiner d'un grand coup. Et alors, j'ai pas trop envie qu'ils sachent. Alors c'est pour ça que des fois je fais pas des vidéos, parce que tout simplement, quand je fais des vidéos, ça veut forcément dire que soit je suis tout seul, soit qu'il reste ma sœur, parce que oui, j'ai une sœur malheureusement petite et horriblement chiante. Bon, elle est quand même au collège, hein. Elle passe en quatrième, donc devinez l'âge, hein. 13 ans, pour ceux qui n'ont pas envie de chercher, c'est 13 ans. Mais bon. Malheureusement, elle a un portable, mais malheureusement, elle joue sur cet ordi là où je filme en ce moment même. Hein. Donc voilà, je sais, j'ai un petit peu parlé de ma vie. Mais pour ceux qui s'en foutent complètement, hein, écoutez la musique. Hein. Moi, je vous retiens pas, je m'en fous. Ouais. Je crois que pour la prochaine fois, je vais quand même essayer
Je vais quand même essayer pour la prochaine fois de trouver un mode avec de la bonne musique. Mais quand je parle de musique, c'est un peu musique ambiante, musique d'ambiance, des trucs qui pourront faire office de générique de début ou de fin, qui pourront faire office de fin de vidéo. Donc voilà. Bon, n'oubliez pas un pouce vert, n'oubliez pas de commenter, aidez-moi à m'améliorer, hein, pouce vert, hein, pouce vert, pouce vert, pouce vert, n'oubliez pas pouce vert, pouce vert, pouce vert, je risque de le répéter autant de fois qu'il le faut. Parce que voilà, ça va être la fin de la musique de toute façon, donc là je suis déjà prêt à éteindre le Fraps. Donc oui, je sais, je parle un petit peu de trop de ce que je fais derrière ma. Voilà quoi, je parle un peu trop de ma vie, mais c'est pas grave, ça on s'en fout, c'est fait pour ça. C'est fait pour ça les vidéos. Donc voilà, hein, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, mettez-la en favori, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à liker surtout, ça ferait super plaisir. Et n'hésitez pas aussi à me donner des conseils, hein, des critiques ou des critiques positives. Mais surtout, moi ce que je veux, c'est des critiques plutôt positives. Et aussi des petits conseils de la part des critiques. Parce que si tu critiques, tu conseilles forcément autre chose à celui qui fait la vidéo. Donc voilà, enfin si vous. Donc si jamais vous me critiquez, proposez-moi une solution. Parce que je ne veux pas de critique sans solution. Parce que des critiques, c'est bien. Mais si la critique, elle fait juste une ligne, ok, ça peut passer. Mais si ça dépend de quoi est composée la critique. Si par exemple la critique c'est... oui, je sais, je vais vous faire encore un long discours, mais après on se quitte, c'est promis. C'est juste pour vous dire que voilà, j'ai envie de critiques constructives. Je demande pas un gros pavé, mais bon, je demande juste une critique que je puisse comprendre. Donc, je ne demande pas de langage philosophique, je ne demande pas de leçons, je ne demande pas de blagues non plus, je ne demande pas de messages haineux, hein, je ne demande pas de messages incitants, je ne demande pas de messages racistes, ni rien du tout. Je veux juste des gens sympas. Des gens sympas qui seraient prêts à m'aider à m'améliorer. Je le répète à chaque vidéo, mais bon. Je sais que personne ne met rien parce que je suis pas populaire, mais c'est pas grave, ça je m'en fous. Je fais ça parce que j'en ai envie. C'est l'envie qui manque. C'est pas l'envie qui manque. Donc voilà, hein, n'hésitez pas, mettez-moi des critiques. Assez constructive. Bon, et ben voilà, cette vidéo est terminée. Donc les placements de produits et compagnie, bah c'est fini. Et on va se quitter. On va se quitter sur ces deux arbres. Allez, ciao et à la prochaine.